avec la foule, bon, le conseil qu'on donne toujours, c'est pour dire chose à tout le monde de respecter les gestes barrières. Il y a des risques partout et bon, je pense que le gouvernement a pris des mesures qui font qu'on a moins de cas. Vous voyez, non, voilà, je pense que ça va. Il nous faudrait être vigilants et être prompts dans nos réactions. Beaucoup de courage à vous et puis bonne fête quand même. Hein? Dans le cadre des manifestations de fin d'année, il y a un flux important de population qui se déplace et qui s'amasse. Donc dans ce cadre-là, l'état-major général des armées et aussi la préfecture d'Abidjan ont mis en place des dispositifs réglementaires pour sécuriser ces événements. Donc ça prend en compte toutes les forces, police, gendarmerie, armée, sapeurs-pompiers, mais également des structures de secours et des structures de santé telles que la Croix-Rouge, le SAMU et bien d'autres structures.